Bonjour tout le monde. Le Brexit, le retour. Oui, parce que Boris Johnson est le nouveau Premier ministre au Royaume-Uni et qu'il a certifié que le Brexit aurait lieu, accord ou pas accord, le 31 octobre. Et moi, je suis contente parce que j'ai une petite vidéo qu'attend. Depuis le 11 avril, elle est sur le bon YouTube. Elle n'est toujours pas sortie. Donc, vivement le 31 octobre. Et aujourd'hui, on va parler du Graal. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Et le Graal, c'est quoi? C'est l'accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et comme le Graal, eh ben, on n'a toujours pas trouvé cet accord. Ouais, bref, j'espère que vous avez toujours du popcorn avec vous, car le deuxième épisode de la série sur le Brexit va commencer. Et vous l'aurez deviné, cette fois-ci, on va parler des négociations qui ont eu lieu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pendant presque 2 ans. Allez, bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Vous vous en rappelez peut-être, mais dans le premier épisode de cette série sur le Brexit, on avait parlé de l'avant-référendum. Et si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à cliquer là-haut. Et c'est Theresa May, qui était première ministre du Royaume-Uni à l'époque, qui s'est vue attribuer la quête du Graal, à savoir la quête d'un Brexit réussi. Cette femme, membre des conservateurs, était favorable à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Après, on va pas se mentir, elle s'est pas donnée à 100% dans la campagne comme beaucoup de personnalités politiques au Royaume-Uni. Coucou. Theresa May a été beaucoup critiquée pendant les 3 dernières années qui viennent de s'écouler. Que ce soit par ses opposants politiques, que ses comparses conservateurs, et même aussi, parfois, par les institutions européennes qui étaient quand même pas mal lassées du comportement du Royaume-Uni pendant les négociations. Pas se mentir, parfois ils étaient un peu lourds quand même. Les critiques étaient pour certaines fondées, et puis pour d'autres, bah non. Comme d'hab quoi. Cependant, je tiens quand même à dire et à souligner que Theresa May a dû gérer une des crises les plus importantes de son pays à notre époque contemporaine. Et qu'elle a le mérite de n'avoir jamais abandonné, même si elle a démissionné il y a quelques semaines maintenant. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. Car contrairement à d'autres de ses collègues, elle n'a pas fui ses responsabilités. That is the agenda for the next Prime Minister of this country. But I must tell you, my friends, I have concluded that person cannot be me. Bref, on va désormais s'attaquer au vif du sujet et rentrer dans cette période de négociation pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais essayer d'être la plus claire possible, mais je vous préviens, je ne vais pas être exhaustive puisque c'est quand même 3 ans à vous raconter en l'espace d'une petite vidéo, là encore. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Dans un premier temps, petit point sur la procédure de sortie, et dans un second temps, on va s'intéresser au point chaud de ces 2 ans de négociation. Bon, premièrement, si vous suivez Bruxelles, vous savez que l'Union Européenne est une organisation internationale et que, de facto, elle est régie par des traités internationaux. Du fait de la souveraineté des États, eh bien ceux-ci peuvent quitter, comme ils le souhaitent, de manière unilatérale, une organisation internationale. Ainsi, depuis le début de la construction européenne, tous les États membres sont libres de quitter l'Union Européenne s'ils le souhaitent. Le traité de Lisbonne de 2007, lui, a précisé les modalités de sortie, parce qu'il n'y avait rien dans les traités à l'époque. Et il s'agit de notre fameux article 50. Petite dédicace pour l'UPR. Article 50, 50, 50, voilà. Du coup, après le référendum du 23 juin 2016, le Royaume-Uni devait enclencher cet article 50. Et pour le faire, il fallait qu'il notifie son intention de quitter l'Union Européenne auprès du Conseil européen. Et pour savoir ce que c'est que le Conseil européen, il y a une petite vidéo à ce sujet. Pareil, cliquez sur le i, patati, patata. Le Royaume-Uni a notifié son intention de se barrer 9 mois après le référendum. Ouais. 9 mois. Qu'est-ce que c'est long. Déjà, on avait compris que ça puait du cul, cette histoire. Hein. Bon, et pendant ces 9 mois, l'Union européenne ne s'est pas tourné les pouces, puisqu'elle a commencé à préparer ce fameux Brexit. Ainsi, le Conseil européen a donné mandat à la Commission européenne pour gérer ce Brexit. Pourquoi? Parce que la Commission européenne dispose de plus de moyens, et notamment de ressources humaines, pour gérer tout ce bazar. Jean-Claude Juncker a donc nommé Michel Barnier, un Français, pour gérer le Brexit. Le mandat qu'on a donné à la Commission européenne et donc à Michel Barnier, c'était les lignes rouges fixées par les États membres et puis tout ce que souhaitaient les États membres dans l'accord de sortie. Son rôle était donc de défendre les intérêts des 27 États membres
et donc aussi des Européens. L'article 50 donne un délai maximum à ces négociations pour éviter que ça dure 40 000 ans, parce que franchement, on n'a pas que ça à foutre. Et ce délai est de 2 ans. C'est pourquoi le 29 mars 2019, le Royaume-Uni, si tout s'était bien passé, était censé quitter l'Union Européenne. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Les négociations touchent aux modalités de sortie, mais aussi s'intéressent à la relation future que vont entretenir l'Union Européenne et le pays membre de l'Union Européenne qui décide de partir, et qui du coup devient un pays tiers. Si au bout de 2 ans, on n'est toujours pas sorti du bordel des négociations, eh bien l'État membre qui souhaite partir peut demander un délai. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Theresa May à l'époque, puisque fin mars, eh bien il y a eu un nouveau délai qui a été donné jusqu'au 12 avril, et puis le 12 avril, on leur a donné un autre délai jusqu'au 31 octobre. Et les 27, pour leur part, devaient approuver cette demande à l'unanimité, ce qui du coup a été le cas. Une fois le délai de négociation passé, s'il y a un accord, tant mieux. Et bah s'il n'y a pas d'accord, bisous. Et comme vous le savez certainement, on se dirige de plus en plus vers un no deal, à savoir pas d'accord. Et donc là, bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est sympa. Vous vous en rappelez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, les 2 années de négociations qui sont passées ont été très compliquées et vraiment laborieuses. Déjà, un des principaux problèmes, c'est que le Royaume-Uni ne s'attendait pas du tout au résultat du référendum. Ainsi, avant de se lancer dans l'organisation d'un référendum sur la sortie du Royaume-Uni, personne n'a l'air de s'être dit qu'il fallait peut-être penser à la stratégie si jamais les Anglais décidaient de partir. Du coup, au lendemain des résultats du référendum, le gouvernement britannique s'est un peu retrouvé comme un con. Cette non-préparation explique notamment pourquoi le Royaume-Uni a mis 9 putains de pour déclencher la procédure. Les mecs étaient complètement à l'ouest. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et ben pendant ces 9 mois, le Royaume-Uni a essayé de se préparer. Et l'Union Européenne, de son côté, s'est aussi mise au travail et a préparé les négociations qui allaient venir. Donc finalement, l'Union Européenne avait peut-être un temps d'avance dans le cadre des négociations. Car pendant ces 9 mois, les 27 États membres de l'Union Européenne, la Commission et même les autres institutions européennes ont pu se caler et ont pu travailler sur les positions à défendre dans le cadre des négociations qui allaient s'ouvrir. Le Royaume-Uni, c'était un peu moins le cas. Pendant ces 2 années de négociations, beaucoup de commentateurs, journalistes, hommes et femmes politiques européens ont souligné le fait que le Royaume-Uni ne semblait pas vraiment savoir ce qu'il voulait, ce qui rendait les négociations hyper compliquées et hyper chiantes. Michel Barnier a d'ailleurs fait part à plusieurs reprises de son inquiétude vis-à-vis du Royaume-Uni. I just wanted to know if you're prepared to whistle us a tune. I'm not hearing any whistling. Just the clock ticking. Et c'est pour ça que plusieurs fois, les institutions européennes ont commencé à préparer l'éventualité d'un no deal. Mais ils ont eu du flair là aussi, je crois. Autre élément pouvant expliquer que le Royaume-Uni a galéré pendant ces 2 ans de négociations, eh bien c'est les divisions en interne, notamment chez les conservateurs. Puisque vous aviez ceux qui étaient pro-Brexit, ceux qui sont anti-Brexit, ceux qui étaient pour un soft Brexit et ceux qui étaient pour un hard Brexit. Donc du coup, toutes ces divisions internes ont ralenti et ont considérablement affaibli le Royaume-Uni dans le cadre de ces négociations, puisque au sein même du Royaume-Uni, personne n'était vraiment d'accord sur ce que faire de ce fameux Brexit. Et vous avez aussi les oppositions qui n'ont pas toujours été très constructives, notamment pour foutre un petit peu plus la merde et en profiter pour provoquer de nouvelles élections au Royaume-Uni. C'est désespérant, hein. D'un point de vue très pratique, les négociations avaient lieu en round. C'est-à-dire qu'une fois par mois, Michel Barnier et son homologue anglais, qui était ministre du Brexit, se retrouvaient pour échanger sur les modalités de sortie et sur les points chauds des négociations. A noter qu'en plus, pour tout arranger, le ministre du Brexit anglais a changé à plusieurs reprises pendant ces 2 ans. Eh, on n'est pas aidé, hein. Et une fois les modalités de sortie actées, on passait à la relation future entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Dans le cadre de ces négociations, l'Union Européenne avait 3 priorités. La première, le sort des ressortissants européens et britanniques après le Brexit. La 2e priorité, c'était les engagements financiers du Royaume-Uni. Et enfin, 3e priorité, le cas de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Au départ, tout le monde pensait que ce qui allait être le plus difficile, c'était le solde tout compte, et donc les aspects financiers. Et en fait, bah non, ça a été, tranquille. Mais le cas de l'Irlande du Nord, là,
Ça, personne ne l'avait vu venir. Hein. Car oui, finalement, c'est la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qui pose le plus de problèmes aujourd'hui et qui cristallise toutes les tensions sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Sur le sort des citoyens européens et britanniques, l'accord prévoyait que les droits que l'on connaît aujourd'hui soient encore appliqués pour tous les ressortissants britanniques et européens. En gros, si vous souhaitiez déménager au Royaume-Uni, eh bien vous conserviez vos droits que vous aviez du fait de la citoyenneté européenne, etc. etc. À l'inverse, si un Anglais souhaitait déménager dans un pays membre de l'Union Européenne, eh bien il conservait également les mêmes droits et rien n'allait changer pour eux. Par contre, si vous arriviez sur le sol britannique le 12 mars 2019, eh bien là, vous rentrez dans les règles qui s'appliquent aux États tiers, donc ça change un peu les choses quand même. L'accord prévoyait également que la Cour de justice de l'Union Européenne ait un regard sur la question de l'interprétation des droits des citoyens européens et britanniques qui étaient concernés par cette situation. Et ça faisait profondément chier le Royaume-Uni, qui en avait ras-le-bol de la Cour de justice de l'Union Européenne. Sur le sol de tout compte, ah, les sous. Oui, parce que le fric, c'est quand même important. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ont considéré que ce serait l'élément le plus emmerdant dans les négociations et que ça allait vraiment être le point de blocage important. Et en fait, non. Beaucoup ont considéré que c'était une manière de punir le Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'au niveau européen, on a ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Il s'agit de budgets qui sont votés sur 7 ans. Et donc, quand vous vous engagez au tout début, eh bien vous devez payer sur 7 ans. Ces budgets servent notamment à financer plein de programmes que l'Union Européenne met en place. Et donc du coup, l'Union Européenne voulait que le Royaume-Uni continue de payer la totalité de ses engagements. What we are asking is for a very large amount of our own money back. Le Royaume-Uni a accepté sans trop de difficultés et la somme s'évalue entre 50 et 60 milliards d'euros. Troisième priorité et la plus délicate des trois, la question de la frontière irlandaise. Pour comprendre les difficultés de ce sujet, il faut bien avoir en tête le contexte historique à propos de cette frontière. Là encore, je m'excuse, je vais aller assez vite pour vous donner quelques éléments, je vais pas être exhaustive. Je vais pas pouvoir vous raconter l'histoire de la guerre civile qui a touché cette zone. Donc du coup, mes excuses par avance si je fais quelques petits raccourcis. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches. Il y a plein de documents et de documentaires à ce sujet et c'est hyper intéressant. En gros, et vous le savez peut-être, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande a été une zone qui a connu un conflit civil pendant presque 30 ans. Plus de 3000 personnes y ont perdu la vie, ce qui n'est absolument pas négligeable. Le conflit opposait les républicains et nationalistes, plutôt de confession catholique, qui du coup étaient favorables à une réunification avec l'Irlande, et de l'autre côté, vous avez les loyalistes et unionistes, plutôt de confession protestante. Ce sont les accords de Belfast de 1998 qui ont mis en place la paix dans cette zone où la violence a été très très forte. Même si quelques violences se sont encore produites après cette date, preuve que la situation est très sensible. Cet accord a notamment mis en place un conseil des ministres dirigé par un premier ministre en Irlande du Nord, et il permet également aux personnes vivant en Irlande du Nord d'avoir à la fois la nationalité britannique et la nationalité irlandaise. Vous comprenez donc pourquoi le retour de frontières physiques entre l'Irlande et l'Irlande du Nord était considéré comme inenvisageable, car ces conflits pouvaient ressurgir. Et du coup, l'Union Européenne a proposé deux solutions au Royaume-Uni. Première solution, le Royaume-Uni reste dans le marché intérieur, qui implique de respecter toutes les règles du fait du marché intérieur, et ça, le Royaume-Uni n'avait pas envie, qui peut se comprendre. Sinon, l'autre solution, c'était que la frontière soit dessinée dans la mer entre l'île britannique et l'île irlandaise. Et ça, le Royaume-Uni voulait pas non plus. Dernière solution, le backstop. Et ça, en gros, ça prévoyait que l'Irlande du Nord, et seule l'Irlande du Nord, restait sur le territoire douanier de l'Union Européenne. Mais les pro-Brexit ont complètement refusé cette solution. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils estimaient que ça remettait en cause l'intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni, en créant une situation de discrimination entre l'État de l'Irlande du Nord et puis les autres nations du Royaume-Uni, Pays de Galles, Écosse et Angleterre. L'Écosse, d'ailleurs, a gueulé quand elle a appris que cette possibilité existait et a demandé à ce qu'elle soit également appliquée à elle. Puisque je vous le rappelle, l'Écosse a majoritairement voté pour le maintien dans l'Union Européenne et du coup a sauté un peu sur l'occasion en mode « nous aussi on veut rester dans l'Union douanière ». Le putain de gros bordel quoi. Et du coup, l'accord prévoyait en fait de simplement repousser cette question hyper sensible et hyper tendue à plus tard,
Donc en fait, on avait un accord qui disait qu'on rediscuterait de la question irlandaise plus tard. Pas ouf, quoi. Mais vous le savez, le Parlement britannique a refusé à deux reprises cet accord qui a été négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Theresa May a fait tout son possible pour que l'accord puisse passer, mais gros fail, elle a absolument pas réussi, et du coup, bah, elle a démissionné. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. À côté de ça, vous avez les institutions européennes qui sont un peu agacées, on va pas se mentir, mais qui du coup ont quand même donné un petit délai supplémentaire pour que le Royaume-Uni se bouge un peu le cul. Voilà, donc la situation est hyper compliquée et hyper bloquée. On s'amuse, hein ? C'est bien l'Europe. Du coup, on en est au point où on sait pas trop ce qui va se passer, à part que on se dirige vraiment de plus en plus vers un no deal et donc pas d'accord. Et donc une sortie un petit peu folklore, quoi. Vous pourrez suivre ça sur Whip. On va se marrer. Bref, l'épisode 2 de cette série sur le Brexit s'achève. En attendant un futur épisode, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre cette période de négociation qui a été très longue, qui a été pleine de suspense, de rebondissements et qui finalement n'a pas abouti à grand chose. Tout va bien Jennifer, tout va bien. Si vous avez des questions, ce dont je ne doute pas parce que c'est franchement le bordel, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire quel sujet ou question vous voulez qu'on aborde dans l'épisode 3 sur le Brexit. J'essaierai de faire au mieux pour que ça colle à vos envies. N'oubliez pas la fameuse trinité, le pouce bleu, le commentaire et le partage. Et puis surtout, abonnez-vous et à très bientôt sur Whip. Et on entend les mouettes. C'est pas possible. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Whip.